Un nouveau siège social à Pau, un nouveau nom, Terrega. TIGF devenu Terrega est aujourd'hui l'un des fleurons de l'industrie en Béarn. 380 personnes travaillent dans ces locaux sur les 600 que compte l'entreprise. Le spécialiste français du transport et du stockage du gaz naturel est implanté sur 15 départements. Le réseau 5000 km de canalisation est géré depuis la salle Mouvement de gaz. Terrega, c'est initialement des implantations, des canalisations, des stockages dans le sud-ouest de la France. Et dans le nom, on a voulu reprendre cet attachement que la société a avec ses territoires. C'est pour ça que le T de Terrega laisse entendre les territoires. On est une entreprise des territoires, on est implanté dans le sud-ouest depuis très longtemps et on souhaite le rester. Pour relier l'Espagne au reste de l'Europe, Terrega a réalisé il y a 6 ans une nouvelle canalisation entre Lac et son site de stockage de Lussanier. L'entreprise veut également être un acteur de la transition énergétique et prévoit notamment, dans un avenir proche, de démontrer son savoir-faire sur les terrains qui viennent d'être achetés près du siège nommé Volta. On a l'ambition de devenir autosuffisant en fourniture d'énergie. Donc il est parfaitement possible que sur ces terrains, nous construisions des installations qui, pour notre propre besoin, puisqu'on n'a pas le droit de fournir de l'énergie, mais pour notre propre besoin, nous permettent de construire des installations productrices d'énergie demain. L'ambition de Terrega est d'avoir d'ici 2020 une empreinte environnementale nulle dans toutes ses activités.